Pour la paix, le développement de la patrie, le travail bien fait et la bonne communication, la TVT au cœur de votre vie. Madame, bonsoir monsieur, d'abord les titres de ce journal. 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente à Lomé. Le budget de fonctionnement pour 2020 voté aujourd'hui. Il s'équilibre à 2,8 milliards d'euros et en recettes. Nous en parlerons dans ce journal. Des milliers de fidèles catholiques et autres croyants ont déposé ce week-end au pied de Notre-Dame des Sept Douleurs leurs prières et supplications. C'était le 20e pèlerinage de Corvier présidé par l'archevêque de Lomé. Et nous vous emmènerons en fin de journal visiter une exposition de cœur en cours actuellement à l'hôtel Ibis à Lomé. Des artistes offrant leurs œuvres pour un rêve de Noël aux enfants orphelins et démunis. Merci de suivre le 20h de ce jour. Le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a voté aujourd'hui son budget 2018 et fait la planification de ses prochains chantiers de développement. Il est réuni à Lomé depuis 3 jours et les 5 pays membres représentés à cette rencontre ont aussi fait le bilan 2017 de l'institution. Le point avec Serge Tastom et Ramdan Bassina. La place du Conseil de l'Entente passe par la mise en place d'une politique qui prend en compte les besoins fondamentaux des populations des pays membres. Mais pour y parvenir, il faut promouvoir un climat de paix et de stabilité continue. Réunis à Lomé, les ministres du Conseil de l'Entente ont passé en revue les différentes réalisations au cours de l'exercice 2017 et ont adopté le budget 2018 du secrétariat exécutif qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2,280,281,289 francs. La nation a poursuivi ses efforts dans les secteurs qui concourent à la paix, dans un environnement où l'activité économique reste soutenue, avec un taux moyen de croissance qui devrait se situer à 6%. Dans le secteur de la coopération politique et sécuritaire, la première phase de l'étude relative au mécanisme en temps de renseignement est en cours d'achèvement. À l'occasion de leur réunion annuelle tenue à Lomé, les ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente ont mis l'accent sur la cybercriminalité et la gestion des espaces transfrontaliers. La réalisation d'infrastructures de base visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales a été poursuivie en 2017. Pour ne citer que le cas du Togo, en matière d'hydraulique, des travaux de forage sont en cours dans 5 villages des régions centrales, Kara et Plateau. 9 localités ont été également identifiées pour l'électrification par l'énergie solaire. À cette 12e réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, le commerce des migrants en Libye a été condamné par Robert Doucet, président des ministres du Conseil de l'Entente. Il a lancé un appel aux États membres afin qu'ils privilégient une politique d'inclusion. Cet état de choses, à la limite de la dignité humaine, a été condamné par nos différents pays, membres du Conseil de l'Entente, et aussi par toutes les organisations auxquelles ils appartiennent. Je voudrais saisir cette occasion pour condamner, au nom du Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, ces actes de barbarie qui portent une atteinte grave aux valeurs universelles auxquelles tous les pays du monde aspirent. Le Conseil de l'Entente a bien compris cette réalité et a dans ses choix de politique sectorielle
privilégier des domaines qui touchent directement le vécu quotidien de nos populations. Je voudrais à ce propos me féliciter des efforts engagés par le secrétaire exécutif et l'ensemble du personnel du secrétariat pour la réalisation des projets d'hydraulique villageoise, d'électrification rurale par énergie solaire, d'infrastructures scolaires et sanitaires dans tous les pays membres de notre espace au profit des populations rurales. Le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays membres, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Avec une population de 81 millions d'habitants, l'espace dispose d'un grand potentiel humain pour son développement. Il couvre les 2/5 de l'espace CEDEAO et représente le tiers des États membres. Le Conseil a en outre nommé Marc Wabi en qualité de commissaire au compte pour l'exercice 2017-2018. De coopération communautaire, il y a quelques jours, le Togo a présenté son rapport pays devant les parlementaires de la CEDEAO réunis en deuxième session ordinaire de l'année à Abuja au Nigeria. C'est un rapport qui prend en compte sa situation politique, économique, sociale et environnementale, la sécurité, les droits de l'homme, bref, un rapport qui retrace le fil de l'actualité du pays sans oublier les programmes et projets de développement communautaire. Ce rapport est suivi, comme à chaque fois, de débats et c'est l'honorable député Christophe Chao, chef de la délégation togolaise, qui a répondu aux explications, qui a répondu aux inquiétudes des parlementaires communautaires. Suivons le fil de la session avec Essoham Teuteu. Face aux enjeux de l'intégration et unis par une communauté de destin, les pays sont pour les parlementaires de la CEDEAO de s'informer de la situation qui prévaut au plan politique, social, économique et environnemental dans les différents espaces communautaires. Ces rapports présentent l'évolution la mise en œuvre des programmes et projets de développement définis par les instances. De chaque pays, d'aller soumettre ça au moins à leur assemblée pour voir si l'exécutif peut les mettre en application. Les pays de la session ordinaire 2017 du Parlement de la CEDEAO sont bouclés avec le passage des pays tels que la Guinée, le Libéria, le Togo et la Guinée-Bissau. Le retard des cotisations communautaires, la lenteur dans les procédures judiciaires relatives aux tueries du 28 septembre en Guinée et pour le Libéria, le blocage du processus électoral ont préoccupé les parlementaires. Ils se sont beaucoup plus intéressés aux événements sociopolitiques du Togo. La délégation togolaise, conduite par l'honorable député Christophe Chao, a profité de cette tribune pour lever les zones d'ombre afin qu'ils soient tous au même niveau d'information. Il est question des réformes. Et nous avons montré, pas pu aboutir à ces réformes en 2014, à cause de l'exigence d'une part de l'opposition par rapport à la rétroactivité. Ça fait que les réformes n'ont pas été opérées. Aujourd'hui, le gouvernement a, après avoir les populations, dans les mandats des députés et de tout ce qui est tous les élus. Malheureusement encore, l'opposition n'était pas présente et cela a fait qu'on n'a pas pu opérer, voter au 3/5 pour pouvoir adopter définitivement le texte. Aujourd'hui, les 2/3 qui ont été obtenus par UNIR, nous avons présenté que cela amène le gouvernement à aller directement au niveau du référendum. Malgré cette disposition qui est favorable au gouvernement, le chef de l'État a estimé qu'il faut néanmoins dialoguer. Et c'est pour cela qu'il a tendu la main à l'opposition pour le dialogue sans aucun préalable. Et nous avons montré donc que le Togo dispose d'une loi qui garantit les manifestations publiques, qui garantit la liberté de la presse. Et nous avons abordé les droits de l'homme. Vous savez qu'avant les droits de l'homme, le Togo est classé au statut A de Paris. Et au niveau de la CEDEAO également, le Togo est classé au statut A. Dans un rapport assorti de recommandations, les parlementaires de la CEDEAO déplorent la situation qui prévaut dans ces pays et qui n'est pas de nature à favoriser l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit.
Par rapport au Togo, il salue et encourage le président de la République dans son initiative de relance de la dynamique du dialogue et exhorte la CEDEAO à le soutenir dans cette perspective. Ils appellent les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la recherche du consensus dans le règlement des différents politiques. Enfin, ils invitent les acteurs à s'abstenir de toute forme de recours à la violence. Autre sujet de ce journal, la corruption qui concentre les efforts concertés de l'Office togolais des recettes et de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Hier, 9 décembre, à l'occasion de la journée internationale consacrée à ce fléau, ces deux institutions se sont retrouvées pour examiner le mécanisme d'application, notamment de la Convention des Nations Unies contre la corruption et aussi pour faire l'état des lieux de cette lutte ici au Togo et ailleurs. Arnold Kiliou pour le compte-rendu de la rencontre. L'Office togolais des recettes OTR et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mutualisent leurs efforts pour combattre la corruption au Togo. Avec son slogan « Tolérance zéro pour la corruption », l'OTR a mis un certain nombre de dispositifs pour la prévention et la répression contre la corruption au sein de l'Office. « Tolérance zéro à la corruption », c'est cela notre slogan. Et nous pensons aujourd'hui encore enfoncer le clou pour dire à tous, à ceux qui sont encore tentés de se livrer à la corruption et ceux-là qui alimentent cette corruption, je voudrais parler des corrupteurs, halte, ensemble contre ce fléau. Parmi les actions préventives, au niveau de l'Office togolais des recettes, nous avons un code de déontologie publié et tout le personnel est appelé à observer les pertinentes règles qui sont contenues dans ce code de conduite. Et nous avons également des moyens de dénonciation de ce fléau, les numéros verts que nous avons à notre disposition, qui sont publiés pour faire en sorte que si on sent de la corruption quelque part, qu'on puisse la dénoncer. Et que si elle est dénoncée, nous avons en interne des machines répressives qui sont mises en branle pour lutter contre ce phénomène-là. Au niveau national, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées est l'organe créé par l'État pour lutter contre ce fléau qui sape l'économie nationale. Au niveau de la Haute Autorité, les mécanismes sont contenus dans la loi du 8 juillet 2015 qui crée la Haute Autorité. C'est deux types de mécanismes. Le premier type, c'est la prévention. Le second type, c'est la répression. Au titre de la prévention, nous avons besoin de procéder à une sensibilisation pour que la population sache ce que c'est que la corruption, qu'elle connaisse ses dégâts et qu'elle prenne aussi l'engagement de lutter. C'est tout ce que devons dire non à la corruption, parce que nous sommes tous acteurs, nous sommes tous victimes. Il faut une action, il y aura une action d'éducation aussi. La plus grave maladie qui touche l'homme, c'est l'ignorance. Nous procéderons à une éducation en collaboration avec les universités, les lycées, le ministère de tutelle. Nous allons élaborer un curriculum pour dispenser dans les écoles. Nous procéderons aussi à la communication. Très bientôt, nous serons en mesure de publier l'adresse de la Haute Autorité. Et dans cette adresse, il y aura à coup sûr un numéro vert. Le Togo adhère donc à cette lutte de la communauté internationale avec la mise en place d'un certain nombre d'arsenaux juridiques et institutionnels, comme l'atteste la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, celle de l'Union africaine et de la CEDEAO. À ces mécanismes s'ajoutent les instruments nationaux. Le Togo s'est doté également d'une Cour de compte, d'une autorité de régulation des marchés publics RMP, et récemment d'une haute autorité de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Tous ces efforts montrent la détermination des autorités togolaises à combattre ce fléau qui entrave les efforts de développement, la paix et la sécurité. En cette journée internationale de lutte contre la corruption, le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a appelé à une synergie d'action pour venir à bout de ce fléau.
Et les journées d'administration rapide de proximité démarrées à Dapan il y a quelques jours sont à l'étape de la région des plateaux. Les populations de toutes les préfectures de cette région pourront se faire établir notamment leur certificat de nationalité en un temps record. On fait le constat du démarrage donc de ces opérations dans les plateaux dans cette correspondance de Silver Aboudou à Atakpami. La journée administration rapide et de proximité entamée ici à Atakpami donne le ton à cette opération dans les plateaux. Elle consiste à la collecte des dossiers pour la délivrance des certificats de nationalité. 12 préfectures vont être sillonnées dans le contexte de cette campagne qui a pour but de rapprocher davantage l'administration de la population. Cette politique de rapprochement revêt une particularité, la réduction du délai de délivrance pour aider les populations à disposer en un temps record de ce document. Ils m'ont dit déjà le 2 que je peux passer les chercher ici. Déjà le 2, c'est le 9 aujourd'hui et déjà le 2. Je crois qu'en moins d'un mois, j'ai déjà ma nationalité, la nationalité de ma fille. Très satisfait de la rapidité administrative. Entre-temps, on déposait ça à la préfecture, on fait des mois, on va, on revient, on va, on revient. On dit que ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore prêt. Cette fois-ci, je crois que ça... C'est un bravo. Nous qui sommes à l'intérieur du Togo, et avec ça, on ne va plus se déplacer. Donc c'est une grande opportunité pour nous tous. Et je remercie vraiment l'État par rapport à ce qu'il a fait. Si ça pouvait être continuel et puis au niveau des quittances et tout ça, là, ça a été une réduction pour la population. Et je suis tellement content et ravi. Entamé depuis le Septentrion par le service de la nationalité, cette campagne veut faire la promotion des services publics et permettre aux populations de l'intérieur d'être informées sur le circuit et les formalités d'établissement des actes et documents administratifs. Pour la présente édition, 2000 certificats de nationalité seront délivrés pour le compte de la région des plateaux. C'est la proximité, c'est le déplacement du service public de l'administration vers les administrés dans les trois régions qui ont été choisies. Il s'agit bien évidemment de la région des savanes, de la Cara et des plateaux. Tous les dossiers que nous aurons à collecter dans les préfectures de la région des plateaux seront traités pour être remis à partir du 2 janvier. Ces journées administration rapide et de proximité sont initiées dans la droite ligne de la célébration de la journée de la fonction publique, un engagement du gouvernement pour une administration plus moderne et pour également répondre aux attentes des populations en matière de délivrance d'actes et documents administratifs pour la jouissance de leurs droits. Et l'ONG Aide et Action a 31 ans au Togo et 35 ans dans le monde au service de l'éducation prioritairement. Une rencontre bilan a été organisée à Lomé vendredi. Les perspectives pour promouvoir davantage la scolarisation des enfants ont été explorées, de même que les stratégies de mobilisation de fonds. On voit cela avec Robert Potogbe et Tabitha Akabou. Elle était aux côtés des États africains durant ces trois décennies pour une synergie d'action en vue de relever les défis de l'éducation à la base. L'ONG Aide et Action a, au cours de ses 35 ans, mis en œuvre et exécuté plus de 400 projets d'école dans plus de 130 communautés. Des résultats qu'elle partage avec l'ensemble de ses partenaires. Mais les objectifs sont loin d'être atteints. Il est question, au cours de cette rencontre, également d'adopter de nouveaux plans de mobilisation de fonds. Les États ne peuvent pas, eux seuls, faire face aux besoins de financement dont le continent a besoin. De fait, il y a un problème de capacité à financer ces besoins. Le deuxième enjeu qui aussi renvoie à un autre défi, c'est la manière dont on fait pour que la culture entrepreneuriale se développe sur le continent. L'autre enjeu aussi qui est très important pour aider Action en ce qui concerne la mobilisation des ressources, c'est de veiller à ce que dans les États, comme ça se passe dans les autres pays, les entreprises puissent financer le développement de l'éducation, puisse apporter un concours au financement de l'éducation. Et ce concours passe par le fait qu'on puisse obtenir, là encore, une directive au niveau de l'UMOA qui permet de donner un statut particulier, un régime particulier au financement qu'ils vont apporter aux associations. En Afrique, Aide et Action est présente dans 15 pays, dont 10 d'intervention et 6 observateurs, et fonde ses actions sur 4 axes prioritaires pour toucher toutes ses cibles. Sur les domaines prioritaires de l'intervention de Aide et Action,
c'est essentiellement le développement de la qualité et de l'accès par la gouvernance participative. Deuxièmement, c'est tout ce qui concerne la formation professionnelle et l'insertion des jeunes, y inclut l'alphabétisation. Troisième champ, c'est de faciliter l'état civil de l'enfant. Faire en sorte que les enfants puissent avoir des pièces d'état civil qui puissent, pour que leur éducation ne soit pas compromise par la suite. Et le dernier axe sur lequel nous travaillons, c'est le développement de la petite enfance. Outre la promotion de l'éducation à la base, l'ONG Aide et Action intervient dans la formation des enseignants, la construction et l'équipement des salles de classe. Elle existe en Afrique, en Europe et en Amérique. Le Parti Unir met en place ses différents démembrements pour plus d'efficacité sur le terrain. Après Kpalimi et les femmes, c'est d'Apaon que les jeunes ont choisi les jeunes du parti pour voir la naissance de leur mouvement. Ils sont venus de toutes les préfectures du pays. Retour sur l'ouverture du congrès du mouvement des jeunes du Parti Unir avec Désiré Aloyé, notre correspondant dans les savanes. Le parti politique Union pour la République Unir, fidèle aux principes démocratiques. Après le dernier congrès du parti à Thiviers, les recommandations se dégrènent sur le terrain pour plus de dynamisme. La mise en place des organes, une exigence à la base. Après celle de Kpalimi qui donne aux femmes du parti un souffle nouveau, les jeunes socles du parti se sont donné rendez-vous à Dapaon pour s'engager dans l'objectif de faire face à un développement durable. Thème du congrès. Un parti politique, selon Tahirou Bagbeg, vice-président Unir, chargé de la région des savanes et au nom du président du parti Unir, Force Ozimna Niazimbe, doit être à la recherche permanente de l'équilibre entre ses projets de société et les aspirations des populations et le mouvement des jeunes du parti Unir. L'avenir du pays doit travailler en synergie. Jeunes militants du MJ, nul n'ignore l'importance et la place de la jeunesse dans toute société humaine. La jeunesse est l'avenir d'une nation et vous êtes le fondement et la pierre angulaire du projet de société de notre parti. J'ai choisi depuis toujours de mettre la jeunesse togolaise au cœur du développement de notre pays. Et vous, jeunes militants et sympathisants, portez l'entière responsabilité. Votre réussite sera la nôtre, parce que c'est à vous que nous transmettons les succès, les victoires acquises jusque-là. Pour les préserver, vous avez le droit d'être organisé, structuré et tenace. La fidélité, la loyauté et la discipline doivent être votre leitmotiv. Dans votre chemin vers la maturité politique, vous devez avoir l'humilité pour apprendre des aînés et l'audace pour parfaire votre réussite, car ce que la jeunesse désire, la vieillesse l'a en abondance. Jeunes militants et sympathisants, je vous exhorte ici à rester mobilisés, à vous organiser et à vous engager face aux défis et enjeux que vous aurez à relever pour le développement harmonieux et durable de notre pays. Les jeunes du parti, aujourd'hui plus que jamais soudés, doivent concilier la jeunesse et la sagesse pour la quête d'un avenir radieux du parti et du pays. Dans la perspective d'une participation efficiente à la vie publique et politique, vous avez l'impérieux devoir de concilier la jeunesse et la sagesse. La nation togolaise a besoin autant de votre vaillance que de votre indéniable maturité politique pour les conquêtes politiques à venir. C'est la seule et unique façon de vous montrer à la hauteur de la mission que le parti vous confie aujourd'hui. Jeunesse militante, au-delà de notre position hégémonique sur l'échiquier politique national, nous sommes davantage interpellés.
par les attentes légitimes qui engagent notre sens du devoir et de responsabilité. Face à l'adversité, rien ne vaudra la retenue, le dépassement de soi. Attitude et qualité indispensables pour les leaders d'opinion que vous êtes. Ce faisant, vous serez en train d'unir pour bâtir notre nation commune dans la paix. Les bases du parti se consolident davantage et le MJU, Mouvement des Jeunes du Parti Unir, une pièce à conviction pour lever tous les défis de développement durable dans la paix. Et le MJU qui s'est doté d'un bureau de 13 membres avec à sa tête M. Kanka Malik Natchaba. Hors du Togo, c'est la colère et la consternation après ce qui est qualifié par le patron de l'ONU de pire attaque contre des soldats de la paix dans l'histoire récente. L'attaque, selon les premiers éléments de l'enquête, aurait manifestement été préparée et organisée. Elle est attribuée à une organisation secrète violente. Mais les circonstances précises de la mort donc de ces 15 casques bleus tanzaniens ne sont toujours pas déterminées. Cette attaque dans le Nord Kivu, cette zone instable de la RDC, a aussi fait une quinzaine de blessés et 3 soldats de l'ONU portés disparus. Nous sommes de plein pied dans les 16 jours d'activisme du Zonta Club contre les violences faites aux femmes et aux filles. On le sait, en dépit des dispositions prises par l'autorité pour dissuader et éradiquer cet état de choses, les femmes continuent ici et ailleurs par être victimes de violences de toutes sortes. Zonta Togo, comme chaque année, est allé à la rencontre des élèves pour leur donner des armes contre le viol et contre le silence. Retrouvons Sonia Amenikbo pour en parler. La prostitution, le viol, le harcèlement, et la liste n'est pas exhaustive. Des violences dont les femmes et les filles sont souvent victimes au quotidien. Une situation préoccupante qui interpelle les acteurs de la vie nationale. Les femmes du club Zonta apportent leur contribution à la lutte à travers cette causerie débat avec ses élèves sur les différents types de violences et les actions à entreprendre pour corriger la situation. Visiblement, le message est passé. J'ai eu un cas avec une de mes amies qui avait un beau-père qui l'harcelait, un beau-père qui disait « Si tu ne fais pas ça, je dis à ta mère que c'est comme ça que tu fais à l'école. » Moi, je lui conseillerais à mon amie d'en parler avec sa mère. Si ça ne va pas, elle peut aller dans des trucs spécialisés, exemple Zonta, aller quelque part dire que c'est comme ça, j'ai été agressée. Le Zonta dit non à la violence aux femmes et aux jeunes filles. Ça veut dire que c'est un thème récurrent. Et chaque année, le Zonta Club dit non à la violence. Et nous allons dans les établissements parce que nous savons que ça manque. Au Togo, l'État a pris la mesure de la chose à travers les dispositions et mécanismes. Et les peuples Moba, Gourma et Peul du Grand Tone étaient en fête hier. Tingbampab, leur fête traditionnelle, les a mobilisés autour de la valorisation de leur richesse culturelle, mais aussi autour de réflexions sur les plans de développement de leur communauté. Désiré Aloyé nous fait revivre la célébration. Dans les savanes, la fête traditionnelle Tingbampab est tournante. Après Dapan en 2016, Tangouag, rendez-vous 2017 des Moba, Gourma, Mossi, Ngangam et Peul pour exprimer leurs valeurs culturelles et présenter les prémices des récoltes aux divinités. Filles et fils de Tone, de Kwendial, de Saint-Quentin et de Tangouag, ensemble pour un bilan, tirer les leçons et planifier pour réussir la saison prochaine. Tingbampab était jadis une cérémonie au cours de laquelle on présente des offrandes à Dieu par le truchement des ancêtres en signe de reconnaissance de son intervention dans la production agricole, d'où sa dénomination générique de fête des moissons. Au cours de cette cérémonie, on offre aux Tingban les prémices des produits agricoles, consacrant ainsi une sorte d'ouverture officielle de la consommation des nouveaux produits des moissons. Au cours de l'office, on immole de la volaille et des animaux
et on prépare un repas sacrificiel, le gyol ou encore kan, sorte de pâte de mil très dure que l'on partage sur les lieux même en guise de communion. On accepte de faire le déplacement. Le représentant personnel du chef de l'État à ce rendez-vous culturel, Guy Madier Lorenzo, ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, a demandé aux populations de Grand Tôle de fédérer leurs efforts et protéger les acquis à ne pas démolir sur l'autel des différences politiques et des contradictions de perception de vue. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus que jamais, la célébration de nos fêtes traditionnelles doit être pour nous des moments de prise de conscience, non seulement de la richesse de nos valeurs culturelles, mais aussi des temps forts de réflexion sur le développement de nos communautés afin de relever les défis actuels. Pour cela, nous saluons l'initiative des conférences débats et autres échanges prévus dans le cadre de la présente édition de Ting Mampab. Laborieuse population du Grand Tône, nos richesses culturelles ainsi que leurs diverses expressions doivent favoriser la paix, la solidarité, la cohésion sociale, des atouts et des facteurs indispensables à un véritable développement durable. En effet, aucune réalisation ne pourrait être durable dans notre pays tant que tous les fils et filles de cette nation ne prendront pas conscience de l'importance de la paix et de l'union. Ce qui nous unit est beaucoup plus fort, plus consistant que ce qui nous divise. À cet effet, nous vous invitons à une nouvelle ère de citoyenneté fondée sur la culture de la paix, le pardon, la tolérance mutuelle, le vivre ensemble et la réconciliation nationale. La réconciliation nationale prônée par le chef de l'État depuis toujours ne doit pas être perçue comme un simple concept, l'évocation d'une abstraction sans emprise réelle sur nos réalités. Elle doit être la condition sine qua non du développement personnel et harmonieux de tout un chacun de nous et partant de la nation tout entière. Occasion pour exhiber les richesses culturelles, chants et danses, afin de dévoiler le vivre ensemble, condition sine qua non de tout développement. Ting Mampab n'aura de sens si et seulement si les greniers l'année prochaine seront davantage remplis avec la bénédiction de Dame Nature par une pluviométrie normale, donc l'eau. Cette denrée célébrée aussi à Tanjouar avec l'ouverture officielle de l'agence T2E par le ministre Lorenzo dans le cadre de Ting Mampab pour améliorer les prestations de services de T2E dans la préfecture. Occasion bien choisie aussi pour remettre des prix aux différents groupes folkloriques qui ont presté la veille. Tout ceci dans une ambiance de grand jeu. Nous vous parlions plus haut du congrès constitutif du mouvement des jeunes du parti Unir à Dapaon. Nous restons dans la zone. Les jeunes ont marqué leur présence dans la ville aussi par une caravane qui a chuté ensuite au stade de la ville pour un concert géant. On revit l'événement toujours avec Désiré Aloy. Le congrès du mouvement des jeunes pour le parti Unir MJ achevé, une caravane spontanée à travers les artères de la ville de Dapaon. Thank you.
Une gigantesque caravane donc en liesse pour remercier les populations de Dafaon, de la région de Savane et du Togo tout entier pour la tenue du congrès qui a accouché le MJ, socle solide sur lequel le parti se fixe. La caravane a eu pour point de chute le stade de la ville de Dapan. Là, un concert géant pour détendre les populations en général et les jeunes en particulier. MJU qui vient d'être installé, merci au chef de l'État pour la confiance qu'il a, qu'il essaie de renouveler à l'endroit de la jeunesse. Vous allez constater le dynamisme de cette jeunesse-là qui est sortie massivement pour dire merci au chef de l'État et lui apporter tout son soutien. C'est une joie qui m'anime. Le concert vient consolider la caravane que nous venons d'effectuer. Nous serons derrière le président fort dans le développement et la paix. Union pour la République unie, plus que jamais tournée vers l'avenir. Et pour y arriver, les jeunes sont appelés à travailler en synergie. C'est ça, il est calé, oh, oh, est calé. Est-ce que j'ai menti de lui envoyer la chanson là? Apprenez quand même pour vous la jeunesse. Et les fidèles catholiques et autres croyants étaient à Coviers ce week-end pour leur 20e pèlerinage diocésain. Coviers, un des lieux hautement sacrés pour ces croyants qui y vont chaque année en cette même période pour demander la grâce divine à travers l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Voici le reportage de Augustin Cossi au retour du pieux cheminement conduit par l'archevêque de Lomé. Ils viennent de divers horizons pour se recueillir au pied de Notre-Dame des Sept Douleurs à Coviers. Le 20e pèlerinage de l'archidiocèse de Lomé a drainé plusieurs milliers de chrétiens qui ont empli ce sanctuaire de haute spiritualité. Audrey y est venue pour la première fois. Habituellement, c'est mes enfants qui viennent. Et par rapport à ce qu'ils sont venus me raconter, j'ai décidé moi-même d'y venir pour assister et demander toutes les grâces possibles. Hommes, femmes, jeunes et adultes, pas question de rater ce rendez-vous spirituel. Togbi Agboku IV, garant des us et coutumes, n'a pas voulu se faire compter l'événement. Je suis venu de Kwadapé, préfecture de Kloto, à Coviers. Pendant 3 ans, je ne suis plus venu. Il me plaît de venir me ressourcer pour prier Dieu pour le village de Kwadapé. Ça fait 1 an, je suis venu demander la santé à mon Dieu. Il me l'a accordé, il m'a accordé la foi que j'ai voulu. Je suis revenu maintenant pour le remercier. Cette démarche de foi, ils l'ont véritablement expérimentée au cours de ce pèlerinage et avec eux, d'autres venus d'ailleurs. D'intenses moments de prière, de louange, d'adoration et de célébration eucharistique. Rien visiblement ne semble ébranler leur ferveur, ni même les caprices de Dame Nature. Arrivé même avec la pluie qui est tombée, on a eu beaucoup de grâce. Cette année vraiment, le pèlerinage a été très intéressant. Et on a apprécié, on a eu les grâces du Seigneur. Nous, autant que Congolais, ce qu'on vit à Coviers ici, ça augmente notre foi, ça augmente aussi notre spiritualité. Nous sommes venus avec un prêtre, même vers 4h du matin, quand on a fini l'adoration, on est parti là-bas, on a vu comment les gens sont au sol. Alors ça, il y a eu la pluie, tout vraiment, on est ébloui. Autre temps fort de ce voyage au sanctuaire marial de Coviers, la messe pontificale qu'on célébrait, placée sous le signe d'un nouveau départ
pour se réconcilier avec soi et avec les autres. Nous sommes entrés dans le temps de l'Avent. La première semaine vient de s'écouler. Voici que se présente à nous celui de la préparation de nos cœurs à la paix profonde et à la réconciliation. C'est le temps d'un nouveau commencement et du renouvellement de nos cœurs et de nos mœurs. Le Christ n'a plus de mains, il a seulement nos mains pour faire aujourd'hui ses œuvres. Le Christ n'a plus de pieds, il a seulement nos pieds pour aller aujourd'hui aux hommes, nos frères et sœurs. Mais ce que nous faisons en parole et en œuvre, c'est l'Évangile qui est en train de s'écrire. Une prière de consécration, les pèlerins repartent le cœur léger, confiant qu'ils ont reçu les grâces nécessaires pour vivre pleinement les solennités de Jésus et aborder avec foi la nouvelle année qui s'annonce. Esprit de Noël, esprit de paix de partage pour offrir du rêve à Noël aux enfants orphelins et démunis. L'Association internationale des artistes Paix entre les peuples expose ses œuvres à l'hôtel Ibis Salomé, une exposition vente à laquelle tous les grands corps sont conviés en ce temps de l'Avent. Nous vous y amènerons faire un tour dans nos prochaines éditions, le temps que vous y alliez déjà en vrai. Merci donc d'avoir suivi ce journal qui s'achève ainsi. À 22h, vous avez rendez-vous avec Adolphe Paca. Passez une très belle soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.